Je sortais avec un homme plus âgé que moi. C'est le père d'une amie. En fait, je ne savais pas que. Ah. Allons doucement. Tu savais pas. Je savais pas. Que c'était le papa le de. Le papa de ma camarade. Si tu avais su, tu n'allais pas faire. Ah, il y en a un, mon pied là-bas. D'accord. Parce que si elle me met sur mon papa, il n'est pas aimé. La grandaya. Mais c'était voilà. Trop tard, tu avais déjà, tu t'es déjà engagé dans cette relation. On n'avait pas encore fait les choses, mais le monsieur là, il a failli mourir dans ma main. Donc, du coup, à cause de sugar, à cause de ça, elle dit, ils sont les sugar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il failli? Non, 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 il a. Non, non. Parce qu'il a failli mourir dans ta main là. Je préfère qu'on. Non, les, non, mais non, moi, non, d'accord. Attends, allons pas à part. OK? Comment est-ce que vous vous rencontrez avec le sugar en question? Le sugar, on est allé à une manifestation. C'était quoi même? Un concert, je crois bien. Donc j'étais en train de me trémousser. Le monsieur en question était assis, me regardait parce que moi, il y a un danseau. Nous, c'est ça, mais il y a des, là, il envoie son bon petit. Ah, on est swigo là, elle est ils bien. Ils ont tous des bons petits. Ah, soeurs. C'est ça. Non, c'est comme ça, il dit qui? Il dit non, mon boss. Il dit que boss, vous aimez ça, que c'est pour venir pour racketter les gens là. Il dit non, que c'est pas ça, mon vieux pélard là, genre. Tu es smoussant, tu dansais là, puis tu regardais. Il dit d'accord. De lui a donné mon numéro. Non, c'est comme ça que je suis arrivée. Le monsieur m'a appelé, allô, que c'est monsieur, tant. Je vous ai vu, c'est tout un peu trémoussé. Il a fait ton sexe. Ah, calm down. Allons, ça y a vient. Pas vrai. Le dossier est tellement lourd. Si c'est transfert, mais c'est bon. Aurait money dans mon corps. Hein? 50 000 d'abord. Ok. On a vu nettoyer. Ah, non, pas ça, même impression. Tu penses que je suis une fainéante, toi. Tu me fais dépôt là. C'est pourquoi? Non, c'est pour mon chat, l'eau. Tu voulais te jeter, ouais. Je voulais me jeter. Ah, mon chat, on va comment? Je vais jeter un peu. On va croire que moi, j'ai faim. Il n'est pas faim. C'est comme si j'ai pris l'argent. Ça m'a soutré en esprit. Il était galère. Qu'est-ce qu'elle avait déjà? Je ne sais pas si tu avais déjà dit. Tu avais déjà parlé de l'écart d'âge. C'était combien de. Il avait 70 ans. Non! Oui? Mais le monsieur, les frères, il ne ressemble pas à quelqu'un qui a 70 ans. Et toi, tu avais quel âge? Moi, j'avais 27 ans. Waouh! Et comment c'était? J'imagine que tu sentais forcément, même s'il était bien et tout, tu sentais forcément la différence au quotidien. Bon, mon cher, ça ne me dérangeait pas. Tant qu'il y a ça là, ça ne me dérange pas. Et puis, c'est quelqu'un qui est frais aussi, il ne fait pas son âge. Tu l'aimais? Bon, j'aimais sa compagnie. Il aimait les bonnes choses. Il était attentionné, romantique. Et puis est-ce que tu aurais pu bon. Être amoureuse? Bon, est-ce que tu aurais pu? Parce qu'on dit que l'amour n'a pas d'âge. Bon, okay. Oui. Est-ce qu'à oui. ce moment-là, tu as senti que tu aurais pu être amoureuse? Oui, oui, un peu. Un peu? C'était quoi les difficultés? Je lui ai dit, est-ce que par exemple, tu étais à l'aise à sortir avec lui? Quand vous partez au restaurant, normalement, si c'est ton gars promotionnel, tu n'as pas de problème. Est-ce que lui, tu te sentais un peu gênée? Bien, même pas gênée, même. Hein? Quelqu'un qui est frais, il ne peut pas me sentir gênée. Il était beau, bien, il ressemble pas. Donc même finalement, à il te plaisait s'il il était aussi frais. Mais son défaut là. C'était quoi? C'est jalousie, c'est bon, c'est pas jalousie. C'est quoi son défaut? Quand tu le touches, tu le touches un attends, peu. Attends, allons doucement. Oui. Bon, il tombe dans les pommes. Oui, il tombe dans les donc, pommes. Donc attends, quand il est en extase, il n'arrive pas à se contenir. Avec lui, il ne faut pas faire bisous là. Quand tu fais bisous là, le monsieur là veut mourir. D'accord. J'ai dit. Regarde. Regarde. L'histoire me dépasse un peu. On va marquer une pause et puis on revient. Voilà. On est de retour de la pub. Donc, c'est l'amour n'a pas d'âge. D'accord, on était avec Aya. Bon, Aya, toi, tu as parlé de ton truc. Mais en fait, la réelle question, est-ce que tu as fini par aimer le gars? Parce que c'est ça le vrai point. Un peu haut. Un peu. Ah, tu es intéressée aussi des... On parle de l'argent. Mais c'était quoi l'avis de tes proches, de tes parents? Comment les autres voyaient ça? Bon, ça ne dérangeait pas. Comme je le disais, il ne faisait pas son âge. D'accord. À le voir là, tu peux lui dire 50 ans, 45. Il est comme le monsieur. Moi, j'ai 35 ans. Moi, comme vous voyez là. J'ai 35 ans. C'est aussi des balles perdues. Est-ce que
que tu penses réellement, toi, Aya, que l'amour n'a pas d'âge? Oui, effectivement. Vu que mon père aussi, il vit cette expérience-là. D'accord. C'est-à-dire que ta belle-mère, Andrif, elle est moins âgée, bien moins âgée que toi. Elle est moins promotionnelle. Mais mon père, il a 60 ans. Ok, d'accord. Mais ça marche. Tu sens que, par exemple, même, elle aime ton... maman, bien même. Ils ont eu deux enfants. D'accord. Ils sont ensemble, ça fait 5 ans. Ils se sont mariés. Tranquille, ça ne me gêne pas. D'accord. Il donc avait, pour il avait toi, 55 ans, elle, avait, pas... elle avait 20 ans. Mm-hmm. D'accord. Donc, pour toi, effectivement, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Il n'y a pas d'âge. Bon, selon moi, il n'y a pas d'âge en amour. Vu que mon père a déjà... Bon, vu cette situation, moi aussi, je l'ai déjà vécu. Mais il y a des risques aussi. Comme je le dis, je sortais avec quelqu'un plus âgé que moi. La fois, il mourit dans ma main aussi. Donc, Du coup, tu abandonnes l'idée. Tu fais voilà, du coup, je ne veux plus sortir avec quelqu'un. Quel est le garde d'âge aujourd'hui que toi, tu accepterais? 5 ans. D'accord. Je préférerais 5 ans, mais au-delà de plus de 5 ans, je ne peux pas. Moi, je dis, l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Je lui ai dit, quand tu aimes une personne, il y a des personnes qui n'aiment pas par rapport au physique, il y a des personnes qui aiment par rapport au feeling. Tu peux avoir un feeling avec une personne qui est moins âgée que toi, tu peux avoir un feeling avec une personne qui a 30 ans de plus que toi. Mais c'est juste, c'est une question d'honnêteté. Tu peux avoir un gars qui a 70 ans, mais qui a le mindset de quelqu'un qui a 30 ans. Donc, en tout cas, moi, personnellement... Là, j'ai un chiffre. On va se dire que l'âge est un chiffre, que tout se passe dans l'esprit. Ça. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, on se rend compte que l'âge commence à ressortir, à prendre le pas. C'est pour ça que dans le sens contraire de la femme qui est plus âgée à un homme, c'est beaucoup plus difficile à concevoir et à accepter au fur et à mesure que les années passent. C'est exactement ça. Mais dans l'autre sens, on peut gérer 20 ans, limite... ou un peu plus, mais quand on arrive à 30 ans, à un moment donné, c'est plusieurs générations qui sont entre vous, et à un moment donné, tu vas te sentir coupable d'avoir causé un infarctus à un monsieur qui cherchait que de l'amour et non la mort.